T'as dit quoi? Elles se rendent même pas compte des soirées qu'on passe, ouais. Alors que... Y'avait personne, y'a besoin de personne, frère. Y'a besoin de personne. On a passé une trop bonne soirée. Attends, je pose. Songa la gazaga. Attends. Bon, on quitte ce magnifique appartement. Voilà. Est-ce qu'on a pas oublié, on a rien oublié, les amis? Normalement pas. Ça a manqué. Bon, du coup, on est dans le taxi avec Harold. J'ai reçu plein de messages hier. J'ai des gros bras. Regardez. Mais non, arrête. J'ai reçu plein de messages hier, des gens qui disaient « Ayez une carole dans votre vie, bah, ayez une carole dans votre vie. » Du coup, on a quitté l'appartement parce qu'en fait, de base, on devait partir aujourd'hui sur une île. Et on devait en faire deux d'îles. Sauf que ça faisait trop short, il y a trop de trucs à voir à Toulon. Donc on a choisi de faire qu'une seule île. Et du coup, on a prolongé 3 jours ici. Donc on a pris un autre appartement parce que l'appartement où on était, il n'était plus disponible. Donc on a pris un autre appartement. Là, on y va, c'est pas loin, ça, 5-10 minutes. Ensuite, on fait juste le check-in et on bouge parce qu'on va aller manger un petit truc. Après, on va faire une cénote. C'est des petites grottes où on saute depuis un petit rocher. Et franchement, c'est super, 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 super beau. Et après, tonight, c'est soirée locale. Salsa. On va dans un. Enfin, ce soir, vers 20h, on va dîner, on va manger dans un truc. Très local. Il y a un moustique. C'est vrai? On est parti devant. Et en fait, c'est soirée bachata. Donc, on va danser la saxe à la bachata tonight. C'est quoi la date départ déjà? Quoi? To the left, to the right. J'aime trop le mood, j'adore. Excusez-moi, est-ce que vous êtes des touristes? Si, pero ok. Tu hablas espagnol? Si. Si? Si. Por favor, donde está la cenote de la tortura? La zona de la tortura ya ven aquí saque. Sí. Vale, por los cas. Vamos. Ok. Gracias. De nada. Regardez, c'est l'hôtel, enfin c'est l'hôtel appart qu'on a pris de nouveau parce qu'on a changé aujourd'hui, c'est magnifique. On a fait un home tour incroyable. Il est vraiment trop beau parce que, enfin, c'est pas le home tour qui est incroyable, c'est le penthouse parce que du coup, comme je disais, on a changé de... Attention, ma coupure qui va. On a changé de logement. Et on a pris à la base un appartement. Et quand on est arrivé sur place, on a demandé à extend une nuit parce que du coup on a changé un peu notre planning du coup de la semaine. Et elle nous a dit voilà, pour tant de différence, il y a le penthouse qui est disponible si vous voulez
on peut vous le laisser. Du coup, on a dit ok, parce que du coup, il n'y avait pas une grosse différence, il y avait 200 balles de différence. Et après, on devait foncer à l'activité, donc on n'est même pas allé voir le penthouse, on a juste dit ok. Et on est rentré de l'activité, là on est tous fatigués, je vous avoue, parce qu'on a fait les cénotes. Je vais tout vous montrer après, parce que du coup, dans les cénotes, on ne peut pas prendre le téléphone. Enfin, tu captes pas, tu prends pas le téléphone. Nous, on a pris le téléphone, mais avec la pochette pour pouvoir aller. Pouvoir aller sous l'eau, bref, du coup on n'a même pas regardé le penthouse, on est revenu à l'hôtel pour du coup bah aller dans notre penthouse, et le penthouse il est magnifique. Quand je dis magnifique, il est vraiment waouh. Et franchement je trouve que rapport qualité-prix, franchement c'est donné, genre c'est vraiment donné. Donc je vais pas vous le montrer. Je vais pas vous le montrer parce que du coup on va faire une petite vidéo et je vais le poster en réel. Et je vous le posterai en lien ici, de toute façon je le posterai demain directement. Je sais pas si vous savez, mais moi de base mes cheveux sont hyper bouclés, ils sont comme ça. Ça c'est le tout ce qui est lisse, et ça c'est mes cheveux. En fait j'ai décidé d'arrêter les lissages pour retrouver la nature de mes cheveux, donc bouclés. Sauf que je vous avoue qu'en vacances c'est galère, parce que du coup c'est pour ça que j'ai enlevé mes extensions aussi. Donc je vais refaire mon lissage, mais sachez que l'été prochain j'ai les cheveux bouclés. Jusqu'à l'Inch'Allah. En tout cas, il faut que j'en prenne soin aussi, mais je ne sais jamais où c'est. Mais voilà. Putain, bonjour, ça fait trop de bien. Il est 19h30, il fait genre 30 degrés.